snacks and cups of Patron. Parties on buses with us. Me and my bros on a mission to leave with your riches, your bitches, and even they close. Hey yo tout le monde, c'est Electro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Just Cause 3. Donc une information qui va pas forcément plaire à tout le monde. Donc on va parler du mode multijoueur comme vous avez pu voir dans le titre. Le mode multijoueur, alors où est-ce qu'il est? Il est nulle part. Voilà, il n'y a pas de mode multijoueur, il n'y en aura pas d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai fait une petite enquête là-dessus, j'ai pas mal cherché. Et j'ai fini par en conclure que les éditeurs n'étaient pas pour un mode multijoueur sur ce Just Cause 3 là. Alors, je vais tout vous expliquer. Donc bien sûr, ce sont des informations officielles, hein. J'ai pris ça dans des interviews. Car c'est vrai que bon, je voyais ça derrière la boîte du jeu, qui avait des fonctionnalités multijoueur. Donc je sais qu'ils ont intégré quelque chose pour ne pas trop nous décevoir. C'est ce petit mode là, multijoueur là, en fait, pour eux, en tout cas, hein, pour eux c'est un mode multijoueur, mais pas pour nous. Nous ce qu'on veut c'est un open world, jouer avec nos potes et tout, mais en fait là, pour eux, leur mode multijoueur c'est les petits défis comme on voit en haut à droite là, comme tout à l'heure, qu'il y a eu des petits défis comme ça à mettre en épreuve nos amis. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous satisfaire pour ce jeu. Mais où est passé le mode multijoueur? Ben c'est très simple, le vrai mode multijoueur, hein, bien sûr. Il n'y en aura pas parce que les éditeurs... je vais pas dire de conneries, je me souviens plus trop de nom d'éditeur, donc non, je vais éviter de dire le nom au cas où. Les éditeurs, tout simplement, refusent, ou du moins se sont calés en priorité sur le mode histoire du jeu. Donc là, comme je suis en train d'y jouer actuellement, ils se sont focalisés sur ça, sur les missions, sur les avant-postes, etc. pour un maximum de gameplay agréable, etc. Bon, on comprend ça, sur GTA aussi ils l'ont fait, mais un mois plus tard, ils ont sorti un mode multijoueur. Alors pourquoi ils ne sortent pas de mode multijoueur sur Just Cause 3 alors que sur le 2, un mode multijoueur est sorti grâce à un modder, que sur PC, je précise. Il me semble, hein. Mais pourquoi sur le 3 ils refusent? Car les éditeurs y ont joué et ont vraiment ils ont vraiment apprécié le gameplay, quoi. Ils ont apprécié jouer avec leurs amis, etc. sur un jeu comme ça. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, c'est énorme, quoi. Même pour moi, c'est beaucoup mieux que GTA et c'est rare que je dise ça quand même, hein. GTA c'est un open world, on peut presque tout faire, etc. Just Cause c'est pareil, mais comme je disais dans ma vidéo découverte, c'est en 10 fois mieux. Parce que là on a le grappin, parachute, wing suit, etc. Donc je m'écarte un peu du sujet. Donc ils ont dit que, moi j'y crois pas trop, mais il est très probable qu'ils sortent un mode multijoueur open world comme on connaît sur GTA Online un peu plus tard. Mais personnellement j'y crois pas parce que bon, voilà, avec déjà le... Ils ont eu beaucoup de stress au niveau de finaliser ce jeu. Donc je vous rappelle quand même que Just Cause a une communauté très forte. Et cette communauté, et ben voilà, comme toutes les communautés, on n'aime pas trop le retard des jeux. Ou le repoussement. Donc du coup c'est pour ça qu'ils se sont focalisés sur l'histoire du jeu. Et donc voilà, ils n'ont pas pensé au mode multijoueur pour le moment. Donc voilà, ils ont eu un stress supplémentaire au niveau de la date de sortie. Donc au final, ils l'ont sorti, c'est un très très bon jeu. Mais voilà, il y a aussi le mode multijoueur qui manque. C'est possible, comme je vous l'ai dit, qu'il y en ait un dans peut-être un, deux mois, peut-être même plus tard encore, hein, on sait pas. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que bah ils le sortent. Ça serait vraiment nickel qu'ils le sortent. Ce qu'il faudrait, ce que je me suis dit aussi, ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, ce que je vous parlais du mode multijoueur en haut à droite, pour eux, c'est ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que tous les fans, donc c'est-à-dire moi, parce que c'est vrai que rien qu'avec le 3, je suis vraiment un fan de ce jeu.
Rien. Ce qu'il faudrait, c'est que toute la communauté oblige, par exemple, aux éditeurs de faire un mode multijoueur. Ou du moins pas obliger, mais de les convaincre. Parce que déjà, ça pourrait leur amener encore plus de personnes. Parce que je vous rappelle que dès que GTA Online est sorti, une communauté impressionnante de joueurs est arrivée. On ne s'y attendait pas du tout d'ailleurs. Et c'est devenu vraiment une bonne communauté, quoi. Comme on connaît sur peut-être les Call of, etc. Est-ce que c'est ça qu'il faudrait sur Just Cause? Parce que là, c'est pas ça qui va faire avancer la communauté du jeu. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette petite question que pas mal de gens se posent. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker un maximum cette vidéo. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.